C'est Chrysler, j'espère que vous allez bien, ça va super bien. Alors aujourd'hui on est en conquête sur Forêt d'Argonne, donc bien sûr on est sur Battlefield 1. Je vais vous montrer donc un petit truc sympa, je viens de faire donc déjà le début de la partie, on a déjà fait un tiers de la partie. Regardez le score, je suis premier avec 27-6, que j'ai fait un gros carnage. J'ai enchaîné dès le début 11 frags d'affilée. C'est quand même quelque chose avec cette arme. Donc c'est parti, on va essayer de les... Je vais baisser un peu le son. Je vais essayer de les... Alors, les faire chier, quand je vais les faire chier, mais vraiment leur défoncer la gueule. On va essayer de faire au mieux, alors. Bah, je l'ai bloqué. Comme ça. En fait, ce que je faisais que de les contourner, donc du coup ça marchait assez bien. Là par contre ça marche moins bien. En gros, tout à l'heure il tenait le fait le pont de la liaison, le pont de la liaison Hellfighter, il me semble que c'est ça. Ouais. Du coup bah, clairement en fait les mecs étaient donc à peu près dans cette zone. Ils bloquaient ici, moi j'ai aussi fait un back comme ça, enfin passé par ici. J'ai tout niqué ici, il y avait les mecs qui étaient au canon vers là ou un truc comme ça là. Tout niqué, hop, je suis revenu comme ça, hop, et je me suis fait mes 11 frags. Tranquille. Et j'ai renouvelé bah, en fait l'espérance juste après, deux fois, et j'ai tout niqué. Bon ça fait un peu bizarre quand je parle d'encerclement, ouais du coup le contournement bah vraiment sur ce 4 c'est un truc qui est vraiment super important. Si vous avez contourné, il y a moyen de faire des gros frags. Je l'ai vu. Je sais pas s'il m'a vu. J'espère pas. Faites gaffe, il y a un éclaireur. Il y a encore un mec là. Super, hop là. Ok. Donc j'ai une bonne cadence de tir, sinon j'étais mort je pense. On nous tente de peu. Enfin, j'essaie de nouveau de les back. Donc, vous avez vu clairement, enfin du frontal ça marche pas vraiment. On se fait un peu laminer. Du coup bah pour pas se faire se faire suicider à l'abattoir comme enfin bêtement comme un mouton. Le mieux c'est de contourner encore. Nous sommes à mi-chemin et nous avons le dessus. Hop, je vais buter un mec avec le grenade anti-char, mais je vais pas rester là. Je vais contourner comme un enfoiré encore. Je suis 34-7, c'est quand même pas mal. C'est un bon petit score. Donc là il y a un mec. Soyez vigilants. Ils m'ont vu, ils m'ont vu. Ok, bon. 35-8. Ça va, une bonne petite partie. Et ben on va essayer de passer par là. Alors ils ont pris les points derrière. C'est pas ce qui nous intéresse, on va continuer à contourner. Bon, je suis plus premier, dommage. Mais voilà, on enchaîne quand même. Putain, par contre, les pings soient assez élevés. Hein. 209, 180, moi je suis à 180, 180, putain. C'est un peu hard. Bon, là, il faut oublier. Nous avons perdu l'objectif Anatole. On va essayer de contourner. Il faut passer par le même chemin que j'ai pris. Hein. Que ça marche une fois, pourquoi pas deux, trois, ou quatre fois, ou cinq fois. Non, on va rester ouais, du coup par là, voir ce que ça donne. Mais ouais, je pense qu'ils vont prendre le point avant. On va faire demi-tour. Ils vont prendre le point, donc vaut mieux les laisser caper, après les sortir, parce que là ils vont arriver dans notre cul. Donc c'est de les repousser et après on verra pour... Voilà, c'est ce chemin, si vous avez passé par là, pareil, c'est assez rapide et assez pratique par la suite. Tout à l'heure j'ai vraiment fait un carnage. Passons juste par là, voilà.
l'avais entendu. Ah, bien joué. Petit 37 à 9. Ouais, je pense que personne va venir me chercher, enfin, je suis derrière les lignes ennemies. Ça prend, c'est gros souci si vous jouez seul. Si vous avez un bac, vous ne pourrez pas vous faire récupérer par d'autres joueurs. Du coup, donc... Ils tentent comme des aboutis de passer, bon. On va essayer de passer par là. Voilà, on a un petit peu plus que 50%, enfin un peu plus que la moitié de la partie. C'est gênant. Voilà, ils commencent à nous en prendre dans le, de nouveau par les fesses. Ils vont encore reprendre leur base de base. Voilà, j'ai fait un jeu de mots sans le vouloir. Ils reprennent leur base de départ, voilà. Et nous, on va se retrouver en sandwich. Donc là, ça va être, c'est ça que ça va être bon, parce que ça va dans tous les sens. Et moi, je ne parle pas français, c'est ça que c'est bon. C'est ça que ça va être bon. Ok, il va falloir que j'arrête de dire des conneries, moi. Ok. Donc, bon, il y a un mec qui a réussi à passer, apparemment. À mon avis, ça va spawn sur B ou à l'arrière de C, pardon. C'est passé dans la cabane du chasseur. Ouais, moi, je peux faire un grand bac. Nous avons perdu l'objectif désiré. On passe par la vallée de la mort. Donc c'est ça, ouais, corniche à mort, je sais même plus comment ça s'appelle. Nous avons pris l'objectif célestin. Ok, je sais rien. On va repartir sur sur la baie. Bon, je te le laisse, je sais pas où il est. Et vu que c'est un piou-piou, je suis un peu en désavantage là à l'emporter. Ça suit hein, quand même le score. Un kit lance-flamme est disponible près de votre position. Ah putain, j'ai essayé d'esquiver, il y a quand même mis pas mal de balles hein, pour essayer de me tuer. Voilà, j'aurais pas de médic, ça va être tendu. Bon, ils ont un peu compris la technique, j'ai l'impression, et... Et maintenant ils essayent de bloquer tous les points pour pas qu'on puisse leur taper sur la gueule de partout. Et pour pas que je puisse passer. Bon. Allez, reste en vie s'il te plaît, reste en vie, reste en vie. Il faut qu'il reste en vie notre pote. Allez, reste en vie, reste en vie. Nous avons perdu l'objectif célestin. Eh merde, il est mort, bon. Une grenade pour eux. Je fais un petit hit. Ah l'enfoiré, ouais. Ils m'ont quand même fait mal. Ah putain, il m'a stop. Ah, il m'a stop avec le son 1911, il m'a mis à terre. Oh, 39-11. On va caper sur... Enfin, réparer sur C et après je pense que... Je sais pas sur quoi on va taper. Oh, on va essayer de taper comme ça. Putain, j'ai eu de la chatte, hein. C'est à deux temps de me faire embrocher. Y'a un gars là. Parfait. J'essaie de repasser la ligne. Ça, ils vont se quitter grenade en t-shirt, mais ils vont me faire un petit peu de frag s'ils sont regroupés et... 42 à 11, ah ça va. Nous avons pris l'objectif désiré. Voilà, mais on a tous les points de ce côté, d'accord. À mon avis, c'est soit ils vont spawn sur A, soit ils vont essayer de spawn de leur base de
barre. Et ils vont essayer de rusher sur, sur la baie. Ouais, voilà. Ils essaient de rusher sur eux, ça y est. Ils se réveillent. On a les meilleurs tirs en GG, ça qui est bien. On les a sentis passer là. Je sais pas ce qu'il a fait ce con. Ah tu vas pas passer. Oula, il arrive tardivement un peu le train là. Il arrive tardivement. On va arrêter de les faire chier ici. Ils sont pas motivés pour apparaître. On va essayer d'aller sur, sur la tranchée. Ah merde putain, mais le train je vais être sur sa gueule là. Un train blindé ennemi est arrivé. Ah putain, il va falloir peut-être que je me manie, que je traverse avant qu'il arrive. Ou à quoi que je vais passer sous le pont. Et qu'il est pas loin. J'aime pas du tout. Franchement, le train ça me fait stresser. Sur cette carte, c'est un truc de fou. Il me fait flipper plus qu'autre chose. Ok, bon, on va essayer de passer. Non, pas besoin du kit lance-flamme. Il me le fait, le kit lance-flamme, moi, tout seul. Je le bute. Un point, au moins un point, ils sont qu'on me dise pas ouais mais je joue que le, pas le frag. Allez, si on capte ce point là et après on se casse. Ah merde, lance-flamme. Ah, je suis passé à côté de lui, non. Oh là là, je suis passé, eh. Il a, franchement, ça lui frôlait. Le mec, il doit avoir une petite cicatrice à côté, c'est une petite marque, mais franchement, regardez le train, il va s'amuser. Franchement, j'étais à deux doigts de l'empaler, là, sur mon fusil, là, comme un enculé. Mais ça n'a pas marché. Oui, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Petit 45 à 13. Casser de là avant qu'il me pète la gueule. Je peux les contourner par là. Je vais essayer de faire un vrai tour. Ouais. Plus vers là. Et l'enfant il est avec son tour. On a dansé. Lancez-vous. Nous sommes en train de gagner. Ah c'est, je suis rang 10. Alléluia. Du coup, qui dit rang 10 dit nouvelle arme. Putain, ils m'ont enchaîné. Ils m'ont enchaîné. Ah la personne vient d'armes animées. Ah, je pensais pouvoir faire les 50 frags. Et je pense que ça va être tendu à mon avis. Oh quoique. Ça va être serré mais pas impossible. Tiens-nous.
Putain, vous voulez pas donner du soin les gars, non? J'ai obligé de passer comme ça, comme un païen. Ah l'enfoiré! J'aurais pu me réanimer, enfin si j'aurais pu me soigner un petit peu là, j'aurais pu le faire. Ah, bon bah c'est gagné pour nous. Voilà. Bon bah petit 47 à 15, c'est quand même rien hein. On a le meilleur ratio de la partie. Hein. Ah non, 54 à 19, bon il est à peu près comme moi. Bon c'est quand même pas mal. Ah bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner si c'est pas déjà fait, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je vous dis donc à la prochaine. Allez, salut tout le monde.